Bon, entre vous et moi, là, combien de films vous avez vus? 1000? 2000? 3000? Mais une fiction transmédia, avez-vous déjà vu ça? Non? Eh bien, voici Émilie. Autour d'Émilie, il y a quatre gars. Il y a son chum, Bruno, son ex, Jeff, son premier amour, Patrick, et son faux ami, Mathieu. Mathieu, t'es où? Je te traîne! Je t'ai toujours aimé. Et s'ils s'aiment pas beaucoup entre eux, c'est parce qu'ils aiment tous Émilie. Alors, ça va être la guerre. C'est quatre gars. Et la guerre, elle va commencer sur Internet. Ben, c'est Émilie, ça, hein? Et vous allez y prendre part. Oh, que oui! Donnez-moi votre courriel, je vais vous montrer quelque chose de surprenant sur sa blonde, Mylène. Alors, vous allez être prêts à partir. Recevoir des courriels, des vidéos, voir des sites cochons. J'ai deux choix pour toi, lingerie ou vinyle. Passer des coups de fil, ils vont même vous appeler au téléphone. C'est pas un hasard si les acteurs ont toujours des téléphones intelligents. Enfin, presque toujours. C'est pour vous permettre de les découvrir. Patrick. Dans des courts-métrages interactifs. Allô? Ah, tiens, justement. Oui, allô, Émilie? Ici, j'entends rien. Non, je suis un petit peu occupé, là, je te rappelle. Sinon, dans Émilie, il y a aussi beaucoup de stars québécoises qui ont joué un peu à Hollywood, comme Emmanuel Bilodeau, Yves-Jean, Isabelle Blake, Martin Drainville. Il y a aussi Didier Lucien, Pascal Bussière et Jacques Lheureux qui se passe de vêtements. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? N'oublions pas Leonardo DiCaprio. En tout cas, il y a sa photo. Et même Angelina Jolie. Yes, yes, Angelina. Enfin, elle arrive. Ou pas. Non, c'est pas trop. Émilie, c'est aussi un vrai film avec tous les ingrédients. Des cascades. Du sexe. J'adore ça. De la bagarre. Du sang. Des larmes. Ce que vous avez fait, c'est tout. Des courses poursuites. De l'exotisme, de la romance. Je vis cueillir. Donc voilà, Émilie, c'est d'abord des courts-métrages qui commencent sur Internet et dans lesquels vous interagissez avec les personnages. Oh! Et c'est aussi un film qui va sortir en salle au cinéma. On s'aime, on veut se marier. Et alors là, il n'y aura plus d'interaction. Vous vous taisez. Le film est déjà tourné. Il est très bon, d'ailleurs. Et là, on éteint son téléphone, OK? On est prêt là.